Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Il est 6h et quelques moments où je vous fais cette vidéo. Je sors juste du boulot, comme quoi je tiens vachement à vous. Petite introduction et on papote un petit peu après. Alors quoi vous dire de beau, de neuf, de fantastique, tout ceci, rien du tout. J'espère que vous avez eu de beaux cadeaux pour Noël. Et en réalité, si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que je m'en fous et que je vous demande juste cette question comme ça pour remplir un petit peu et meubler cette vidéo. Je vous dirai que je n'ai rien eu pour Noël comme chaque année et vous vous en foutez aussi. Donc on va pas se mentir et éviter de dire des trucs dont tout le monde se fout. Quoi vous dire de beau, quoi de neuf? J'ai été assez absent la semaine dernière, tout simplement parce que j'avais un petit peu... mon papa qui est venu me faire un petit coucou sur Grenoble. Le week-end je travaille, donc ce week-end ça a été chaud aussi. Il y a pas mal de temps, l'immense majorité de mon temps qui part dans tout ce qui est expérience, donc le relais cycliste de la traversée des États-Unis qu'on appellera XUSA 2011. Et ça me prend énormément de temps entre les entraînements et la négociation éventuelle avec des sponsors, la planification, la compta un petit peu rapidement. Et c'est assez prise de tête. Je vous cache pas que depuis septembre, plus ou moins, qu'on pense faire cette aventure parmi tant d'autres avec Christian, je commence à fatiguer de démarcher, de réfléchir, de ceci, de cela, de planifier mon budget. Il y a énormément de mon budget perso qui part dedans, il y a tout mon temps perso qui part dedans et c'est un peu en train de consommer un peu trop le peu de temps que j'avais pour moi. Donc bon, bref, c'est après le joint vaut la chandelle, je pense. Quoi vous dire d'autre? Donc ça amène toutes mes petites réflexions. On arrive bientôt au nouvel an, etc. Je vais avoir le week-end prochain tous mes collègues de boulot qui vont me dire bonne année alors qu'ils n'en ont strictement rien à foutre puisqu'ils ne m'appelleront pas pour savoir comment se passe ma semaine, etc. Donc voilà un petit peu les petites hypocrisies, l'attente qui me gonfle en ces périodes. Vous le savez, je vais pas vous refaire un topo par rapport à l'an dernier. Donc pourquoi je vous disais ça? Donc je suis en train de réfléchir un petit peu à mes bonnes résolutions puisque chaque année, j'essaye de vous faire part des petites résolutions que je prendrai et j'essaye de m'y tenir. Quand je les regarde, celles de l'année précédente, mais justement du fait qu'elles sont sur le blog, je suis obligé de m'y tenir. Et quand là je vais préparer celle de 2011, je regarde celle de 2010 et je me dis qu'en fait c'est bon, je suis à peu près dans les clous, donc c'est nickel. Donc je commence à réfléchir un petit peu aux petits articles que je vais vous faire. Je me dis que j'ai pas mal de petits articles sympas à vous faire cette petite semaine. Vous avez vu que j'ai retiré l'article sur la loi LOPSI, c'était juste deux liens en réalité, mais c'est rapidement parti en sucette, on ne sait pas pourquoi, parce que dès que on met deux petits liens, qu'on donne tant soit peu un avis et encore, il faut nécessairement que ça parte de partout. Alors il y a eu un débat religieux qui est arrivé, pourquoi on parle d'un débat religieux alors qu'on parlait de LOPSI? Bref, donc l'OPSI, téléchargement, filtrage du net, tout le bordel. Donc du coup, moi je vais vous montrer comment télécharger sans vous faire choper par qui que ce soit et facilement avec ce qu'on appelle des newsgroups. Si vous voulez vous renseigner d'ici là, c'est bon. On va peut-être vous faire le test d'une petite webcam Logitech, enfin peut-être, sûrement. Il faut que je vous fasse le test aussi d'une sangle pour appareil photo et accessoirement si je trouve d'autres trucs qui me bondissent comme ça à l'esprit, je vous en parlerai. Grosso modo c'est tout ce qu'il y a à faire cette semaine, c'est déjà pas mal vous me direz. Et c'était juste une vidéo rapide lundi matin à bientôt 7h maintenant, en sortie de boulot sans avoir dormi, pour vous faire un petit coucou et vous dire que je pense toujours à vous malgré que vous m'ayez oublié noyé dans une dinde au marron et dans une superbe bûche glacée, comme je vous comprends. C'était Locan pour Locan.fr, on se dit à très vite, je vous refais peut-être un petit billet, je sais pas où j'en suis dans le temps, il affiche pas la durée de la vidéo, ce qu'on de caméscope. Et on en reparle sous peu. Allez voir, un grand conseil, allez voir et suivez le groupe Facebook. Toute la semaine dernière, j'ai pas fait beaucoup de billets, mais mine de rien, on a beaucoup échangé sur ce groupe Facebook pour plein de projets du blog. C'est un petit peu la grosse zone de sondage en fait. Donc allez réellement faire un saut. Si ça vous intéresse, tout simplement, si ça vous intéresse pas, n'y allez pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ciao, ciao.